espère que vous allez bien. Écoutez, nous. Ça va bien. En réalité, moi, pas trop, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. De je sais pas quoi. Il commence. Vous vouliez voir Monsieur Yannick, donc on n'a pas vraiment filmé pendant ce congé finalement. Ouais. Voilà. Mais du coup, je me rattrape de petites vidéos Shein. Du coup, il a vu rapidement ce que j'ai pris, mais il sait pas trop, donc il va décrire les objets lui-même. Hein. Quand je vais lui donner les objets, il va dire c'est quoi. Et chacun son tour. Hein. J'essaierai de vous mettre les liens des articles, comme ça vous pouvez les retrouver. Par contre, s'il n'y a pas le lien, ça veut dire que l'objet il n'existe plus. Hein, parce que sur Shein, c'est comme les oui, autres. Cher, des fois, c'est vente flash, des fois, voilà. Colliné comme ça. Hein. Voilà. Quand on prend le collier comme ça, là, dit. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Ah, je vous donne ça. Alors, vous voyez, regardez, c'est bleu, c'est une jolie couleur. C'est un couteau de film, regardez là, hop, ça descend, ça remonte. Et c'est un truc pour laver quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Non, une manche à balai, mais je sais pas c'est quoi, c'est pour laver quoi. Donc, j'ai vu sur Shein comme ça, il y avait un genre de une petite serpillière, on va dire. Pour les vitres. Pas forcément, j'ai vu que ça pouvait faire les murs et tout, pour éponger vos murs. C'est tout simplement, vous voyez, c'est une petite serpillière. Hein. Donc, vous avez ça, vous emboîtez le petit tissu au-dessus comme ça. C'est réglable, regarde. Hop. Voilà. Petit et grand. Petit, grand, petit, grand, petit, grand, petit, grand. Voilà. J'essaie de vous emboîter le tout. Normalement, pour bloquer le truc, c'est il faut tourner. Tourner un coup. Hop, voilà. Là, vous pouvez taper des gens avec aussi, si vous voulez. Pas du tout comment ils mettent. Donc, la petite serpillière est mise dessus. Vous vissez le tout. Donc, voilà, c'est vissé. Comme ça. Et puis, vous pouvez serpiller. Serpiller l'écran de téléphone et tout. Bref, une petite serpillière télescopique comme ça. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais moi, je sais, j'ai pris parce que ça peut être utile. Voilà, tout simplement. Voilà. Les liens en bas. C'est bien, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez pas? Alors, d'après moi, vu la qualité, la circonstance du paquet, du boîte, c'est une boîte à bijoux. On peut. Pour mettre des trucs dedans, mais je sais pas quoi. Mais c'est une boîte, il y a plusieurs compartiments, regardez. Hein? Regardez. Il essaie de faire les youtubeuses beauté là. Donc c'est un rangement, on va appeler ça tout simplement comme ça. Un rangement, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ça peut être pour les outils, des petites vis, etc. Ça peut être pour les bijoux, ça peut être pour les perles, ce que vous voulez. Il y a plusieurs compartiments et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Donc il y a plusieurs. Ça se détache comme ça. Trois étages. Voilà. Donc ça se clipse et ça se déclipse. En fait, vous avez compris le système. Vous mettez ce que vous voulez dedans. C'était pas cher, c'est pour ça que j'ai pris. Ça peut toujours servir pour du rangement, soit des vis pour Monsieur Yannick, soit pour moi-même, pour les bijoux, etc. Si c'est pour les bijoux, il faut que tu remplisses. Ça, c'est des trucs pour le serpillière. Ouais, bon, des chiffons microfibres. Ah, c'est des chiffons. Ah, d'accord, moi je croyais que c'est des trucs pour mettre les serpillères en. Voilà quoi, il y a. Tu peux déchirer. Je peux déchirer. Tadam! Alors, il y a combien? Il y en a 4? Non, plus? Il y en a 5. Il y en a 5 dedans. Voilà. Hop. Regardez. C'est des petites lavettes, hein, tout simplement. Tout simplement. Hop. Voilà. Je sais pas, pour servir à quoi? Un peu de tout, parce que vous savez, moi j'aime, comme vous tous, j'imagine, quand on a déjà fait la vaisselle, on passe un petit coup sur l'évier. Ou M. Yannick, parfois, il m'en pique aussi pour la voiture aussi. Voilà. Donc, le genre de petite lavette microfibre que vous faites ce que vous voulez avec, le ménage, la voiture, peu importe, ça sert toujours et j'ai pas payé ça très très cher. Et là, j'aimais bien les couleurs blanc, gris, donc c'est pour ça que j'ai pris. Parce qu'il y a beaucoup de trucs là-dedans, wesh. Alors. Ça c'est pour madame, regardez, hop, en plus rose, donc je peux pas l'utiliser vu que c'est rose. C'est quoi? Voilà, c'est les trucs pour prendre les trucs chauds dans le four. Voilà, hop. Donc un ensemble gants maniques, tu peux enlever. Gants maniques et je trouvais ça trop chou. Franchement trop chou. Ouais, c'est chou, hein. Ça c'est quoi? Bah c'est les gueux. Un, tu prends comme ça et l'autre, tu mets ta main dans le gant. Ah, regardez, c'est très mignon. Ouais, trop joli.
Bon, c'est girly, mais après, même les hommes, ils peuvent utiliser, hein, c'est dans la cuisine. Ouais, mais ce qui est aux femmes aussi, on reste aux femmes, on touche pas. Nous, les hommes, c'est comme ça. C'est, non. C'est les femmes. Non, c'est fou, il est pas macho, c'est fou. Donc, parce qu'il a même mieux ce, de quoi, Hello Kitty ou... Hello Kitty ou Chanel? T'as utilisé la dernière fois? Chanel. Les Chanel dans la cuisine. Donc, vous voyez, ça peut être utile. Donc, un petit ensemble comme ça. Trop girly, trop peps. En plus, pour la saison, parfaite. Bonjour, monsieur, ça va? Voilà. Quoi d'autre? Voilà. Là, complémentaire. On s'assomme. Bon, avec Marine Light pourri, mais bon. Ça, c'est quoi? C'est pas ça! Non, c'est pas fait pour ça! Alors, déboussation. Hop. Tana! What the hell? Voilà, ça c'est l'objet voilà. Pour monsieur. Ça c'est pour aller vider le lavabo. C'est pour monsieur, parce noirs. Que monsieur Yannick en a marre avec les cheveux de Lady partout. Ouais. Mais celui-là, on va le laisser pour la cuisine, je pense. Ou soit, je sais pas, parce qu'on en a, on en a deux maintenant, du coup. Donc, ouais. Un sera pour la salle de bain, un sera pour la cuisine. Je pense là-bas pour la salle de bain, l'autre. D'accord. Mmh. Bon, on verra, on vous dira ce qu'on en pense plus tard. Voilà. Et Rose Pogel. Ah oh non, je vous assassine à chaque fois. Je n'ai pas une savate, un tongue, non? Une tongue, c'est pas ça. Hop. Il y a des pinces d'élan, c'est pour les femmes. Alors. Ah, oh. C'est pour les maillots de monsieur Yannick. C'était les super maillots. Parce que quand j'ouvre ces sous-vêtements, il me dit toujours, je sais pas si on a, si on n'a pas. Là, au moins, ça sera dessus. Et il faut mettre les pinces, bien sûr, ouais. Au fur et à mesure. Vous avez des petites pinces ici qui sont jaunes. Ouais. Donc, au fur et à mesure, il verra ses sous-vêtements en train de suspendre. Tu peux tourner aussi, hein, si ça prend le temps pour chercher. Hop. Et voilà. Donc, voilà, petit ouais. Range sous-vêtements, chaussettes, etc. Exactement. Quoi? Aussi. Comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça que c'est? Déjà, il y a des petits bulles. Hop. Alors, comment trouver ça? Attendez. Hop, voilà. Hop, voilà. Tanat! Un premier truc. Premier. Tanat! Deuxième. Oh là là, magique, comment il fait ça? Alors... Ne trichez pas, hein! Tanat! Toujours du rose, mais vous voyez pas bien. Alors, ça. Enfin, faut monter tout ça. C'est quoi? Vous voyez pas la bonne couleur? Ah ouais, vous voyez pas par rapport à. La Ring Light. La Ring Light est trop puissant. C'est pas un petit rose crémeux, un truc comme ça. En rose vrai. Crémeux! En fait, c'est une brosse. Une balai brosse. Voilà. Voilà. Une balai brosse. Là, je vous ai montré les. Est-ce que tu les... Attends, je vais monter. Hop. Je sais pas si tu veux. Ça là, on va dire. Après, comme c'est eux comme ça là, voilà. Comme ça bouge comme ça là, même brosser en haut les carreaux de la salle de bain et tout. Tu comprends ce que je veux dire? De loin. Ouais, ouais. Tu comprends? Ouais, comme c'est. Ça bouge, c'est amovible. Ça, on dirait des matraques là, on a des trucs, des trucs. Voilà, hop. Donc, oui, c'était un All She In spécial maison. Hein. Et là, ici. Je m'équipe. Voilà. Bon, les brosses, ça va. Ça va. Il y a pire. Vous pouvez brosser le dos aussi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hop. Option brosse l'eau. Voilà, donc une petite un petit balayé brosse. Multifonction, comme dit monsieur Yann. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi? Un bout de bambou. Je sais pas, c'est.
Non, pour mettre des savons, je sais pas, un truc ouais, comme ça. Ouais, voilà. C'est un support en bambou et puis vous mettez ce que vous voulez, petite bougie voilà. Ou les rangements acryliques voilà. Pour les cotons, etc. Mettre des petits verres de chope dessus. Ce que vous voulez, hein. Voilà. En tout cas, c'est un voilà. Support en bambou. Voilà. Donc, est-ce que c'est du. Ouais, oui, je pense bon. Que oui, hein. C'est nickel. Parce que c'est du bambou. Donc, comme ça, là. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Hop. Bon, vous voyez pas. Merde. Vous voyez jamais rien. Vous voyez, hein. Ça. Voilà. Tu peux en ouvrir un pour le montrer. Toi-même, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Moi, déjà, je sais pas ce que c'est. Ouvre. C'est, déjà, c'est... Oh. What the? What the? Ah, c'est comme ça. Prends un. Hop. Tonnet! Ah, vous voyez pas la concierge? Ah, voilà. C'est comme ça. Ah, faut mettre la main derrière. Voilà. Vous voyez? Et qu'est-ce que c'est? Touche devant, regarde. Tu vois là? Tu vas voir? Non. En fait, c'est une petite lime à ongles décorée. J'ai pris ça pour eux pour en mettre dans. Quand je ferai un petit quelque chose, gagner un petit quelque chose. Ah, d'accord. Petite lime à ongles en forme de. Ah, c'est très joli. D'arc-en-ciel. Ça, j'ai vu sur la chaîne de Simplement Mylène à un moment donné. Simplement Mylène à un moment donné. Donc, c'est pas. J'ai voulu tester aussi pour mettre aussi dans des petits cadeaux. Écoutez, je trouve trop chou. Hein. Ouais. Tu aurais pas pensé que c'était vraiment des. Non, bah, on dirait une petite déco, hein. Bah, c'est ça. Voilà, donc c'est trop trop chou. Et donc, j'en ai tout plein. Je vais prendre celui-là pour moi parce que j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé. J'en mettrai pour un pour maman, un pour Valentine. Et le reste, j'en aurai quand je vous ferai un petit. Voilà. Mmh. T'as expliqué avant que ça arrive. Ah, les fameux des trucs pour le. Vous savez, c'est quoi hein ça marche pas. Vous voyez à peu près. Voilà, ça. Attends, je vais l'enlever parce que. Il y en a deux. Ah, ils se sont collés? Non. Voilà! Oula, attends. Voilà, vous voyez mieux là? Regardez. Ouais, voilà. Hop! Vous savez qu'est-ce que c'est ou pas? Ça. Attends. En fait. Voilà, ça. Vous mettez une petite barre. Une tringle? Vous le collez sur le mur. Ce que vous voulez. Voilà. Vous mettrez le bas à traîner là-dedans, comme ça. Voilà. Vous fermez. Vous pouvez mettre des rideaux dessus. Voilà. Et vous êtes content. Et normalement, ça tient bien les autocollants ouais. De Shein parce que nous, on a collé une petite étagère dans la salle de bain. Oui. D'ailleurs, j'en ai la même. Tu vas les montrer. Ouais. J'en ai repris la même. Donc, voilà. Un à chaque côté. Vous collez un à chaque côté. Vous mettez une barre. Hop. Les rideaux. Et vous êtes content. Voilà. Alors, il n'y a pas des petits curieux qui regardent chez vous. Voilà. Voilà. Donc, je laisse se débrouiller avec le scotch. Alors. Easy. Ta-da. Hop. Hop. Voilà. Donc, je vous avais déjà montré ça. Là, j'en ai repris un deuxième. Voilà, c'est parce qu'il est top. Il est top. Regardez. Vous avez ça. Le petit autocollant comme ça. Ça colle super bien. Ouais. Je sais plus s'il y en avait deux. Ouais, deux. Donc il y a deux collants à l'arrière pour mettre. Ça, je sais pas en quoi il sert. On va accrocher peut-être. Et voilà, la belle. Voilà, bonjour. Je parlais de cette petite étagère-ci. Ouais, soit tu colles ou soit tu accroches. C'est ça. Tu peux le. Ouais, tu peux le coller. Voilà. Comme moi j'ai fait dans la salle de bain. Ou tu peux, hop, je pense, l'accrocher. Le pendre. Ouais, le pendre. Ah ouais, ouais, peut-être. Deux trucs là-bas, hop. Ouais, peut-être. Mais nous on l'a collé. On en a déjà collé, un. Collé, c'est l'a collé. Plus sûr. Quoi. C'est mieux et ça tient. Ça tient bien. Ça tient, ça doit faire ouais. Des mois que maintenant les nôtres sont en place et il tient. Et en plus, les enfants, eux,
petit truc de chez nous. Mais comme on l'a mis au-dessus du lavabo, les enfants, ils se brossent les dents et on dirait qu'ils ne savent pas cracher en bas. Ils crachent sur le truc et ça se décolore pas. Ça invente la décoration. Ça se décolore pas rien. Ouais. Donc, c'est nickel. Il y a cette petite étagère-là et qui tient super bien les petits colores. Absolument ça chez vous. Hein. Voilà. Donc, nous, on va mettre celui-là, je pense, dans la douche cette fois-ci. Ouais. Pour remettre les gels douche au-dessus. Voilà. On a presque fini, je crois. Oui. Donc, il reste les deux les mêmes choses, mais je les voyais pas aussi petits que ça. Mais bon. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Il est malin, oh. Il est malin. Il a ouvert par-dessous. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? Dites-le moi. Donc, toi-même, est-ce que tu sais? Alors. Hop. Je sais pas, je sais quoi. Ben, c'est des rangements, par exemple, soit tu mets tes cotonnets, bâtons de tige, soit tu mets des cotons dedans. Mais justement, j'avais pris ça pour mettre là-dessus. Et c'est pile poil, je crois, en plus. Ouais. Nickel. Donc, j'aurais dû en prendre trois, du coup. Ouais. Donc, ferme un petit coup, le petit truc. Donc, c'est assorti. C'est assorti. Vous mettez, par exemple, vos petits cotons ou bien bâtons de tige. Ou je ne sais pas quoi, dans la salle de bain, par exemple, vous mettez dessus. Bon, après, même si vous voulez mettre ça dans la cuisine, hein, par exemple, vous prenez ça, vous mettez, je ne sais pas, un peu de sucre quand quelqu'un vient, une petite dose de sachet de thé ou je ne sais quoi, tu sais, à ça comme ça aussi, c'est pas mal. C'est comme vous voulez, en fait. C'est long, votre imagination. Voilà, quand vous achetez un objet, il ne faut pas vous dire que telle personne a fait comme ça, il faut faire comme ça. Ben non. Pas du tout. Créatif. Vous inventez, voilà, vous inventez. Pour moi, il n'y a pas d'objet qui soit précisément à un endroit. Vous faites comme vous voulez. Franchement, il ne faut pas... Faut pas regarder comme les autres, faites comme vous sentez. Mais moi, comme je vous ai dit, je voyais ça avec ça. J'en ai pris deux du coup. Mais il y aurait pu entrer même un troisième. Donc peut-être que je recommanderais, je sais pas. Donc voilà. Mais après, la question est, j'ai pris, c'est joli. Moi, j'adore les décos comme chérie, c'est mais pour mettre où? Ah, c'est la question. Moi, je vois bien dans la salle de bain. Mais mettre où dans la salle de bain? Bonne question. Bon, je pense, je sais, j'ai une petite étagère que je dois fixer sur le mur, je pense que je la mettrai dessus après. Celle qui est en bas à côté de la porte. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour nos petits achats, mes petits achats, mais que monsieur savait à peu près. Shein. Notez. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce haul avec chérie, comme ça il fera plus de haul avec moi. Il a accepté directement pour vous, hein, parce qu'il savait qu'il n'a pas trop fait de vidéo. On n'a pas terminé la vidéo des crash tests, on essaiera de la faire avant qu'il rentre au boulot, là. Mais ça va être compliqué, parce que nous on veut bien, mais on est souvent débordés. Souvent débordés. Donc ouais. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous comptons vous faire à tous et à toutes de très gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.